province, à l'étranger, en Europe. Je veux des soldats qui sont prêts à aller sur le terrain. Je veux des sentinelles, des intercesseurs, des monteurs vidéo, des photographes, des designers, ces chanteurs, ces musiciens, des guerriers. Il faut être capable d'envoyer un pasteur ou un assistant pasteur, un éclaireur, pendant un mois à l'étranger, préparer le terrain. Et quand on vient, on fait une croisade. On va aller dans cette dimension. Et on montrera les images de la mission. Vous allez voir comment ça fait, comment c'est beau lorsqu'on va. Et ce que Jésus allait faire est ce que nous aussi nous devons suivre à la lettre. Preaching, prêcher, teaching, enseigner, healing, guérir. And the Bible said, et la Bible dit, every sickness, il guérissait toutes les maladies and every disease amongst them. Et toute infirmité. And when he saw the multitude, et quand il vit la foule, thousands, des milliers, was moved, il fut ému de compassion, de compassion pour elle. Christianity, la chrétienté, is not just jumping around, ce n'est pas sauter partout, and coming to church, ce n'est pas venir à l'église, but helping, mais c'est aussi aider ceux qui sont démunis, helping, aider ceux qui sont démunis. That is why, c'est pourquoi, when Jesus, lorsque Jésus went into the synagogue, est allé dans la synagogue, he said, il a dit, the Spirit of the Lord, l'Esprit du Seigneur is upon me, est sur moi. Because he has anointed, parce qu'il m'a oint to preach the gospel, pour annoncer la bonne nouvelle, to the poor, aux pauvres, to heal, pour guérir the broken heart, ceux qui ont le cœur brisé, to recover, pour libérer the sight of the blind. As yourself, mobilisez-vous and move, et agissez, to countries, allez to vers communities, des, allez vers des communautés, cities, vers des villes, travel, voyagez into France, en France, villages dans in les France, villages de France. Move yourself, allez, go there, allez là-bas, show the love of et God, montrez la bonté des pauvres. There are poor people, il y a des pauvres in France, en here, France ici. Do it. Faites-le. Quelqu'un me dise amen. Amen. La première vérité que je vais vous donner, c'est de développer la compassion pour autrui. Amen. Quelqu'un me dise la compassion. Amen. La compassion, c'est l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens qui sont dans la détresse, dans la faiblesse, dans la souffrance, de dépasser tout ça et de sympathiser avec eux. Dépasser la détresse, la faiblesse, la souffrance, tu dépasses tout ça et tu vas jusqu'à sympathiser avec. Tu peux me rendre pur si tu le veux. Tu peux me rendre pur. Et Jésus a regardé. Il a été ému de compassion. Quand il a regardé la personne, il s'est imaginé lui dans cet état. C'est ça. C'est-à-dire qu'il s'est vu, il ne saurait plus être moi. C'est ça la compassion. C'est pas qu'il mérite cette punition. C'est que il ne saurait plus être moi. La compassion est la puissance de l'ange. Amen. Bon, si vous arrivez à faire la compassion, amen. Je ne donne pas 3 mois, c'est que lui. Amen. Vous allez passer à Dieu. Amen. Amen.
que je prie, que je sais qui je suis. That's the word of God. Dévorer sa parole afin de plus jamais l'ignorer. De la vie, de la veiller plus qu'un désir de la saisir, de la suite. Lui obéir plus qu'un désir de la saisir. Envie d'en parler, envie d'en proclamer. Envie de la faire tourner et que le monde puisse acclamer. Envie de la garder auprès de moi, qu'elle ne quitte pas mon cœur. Elle me pousse au max, elle est bien plus qu'un moteur. Ça nous dit bien vivre. Tiens avec moi Gospel Life. Tiens avec moi Gospel. Gospel, c'est une bonne nouvelle. Tiens avec moi une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Life parle de la vie. Donc cet après-midi, nous avons amené une bonne nouvelle qui donne la vie.